reste cool, calme-toi, tiens-toi droit dans tes bottes. Ils n'en ont rien à foutre de toi, mais baisse quand même ta culotte. Va falloir jouer d'hypocrisie s'il te prend l'envie de rêver. Révèle qui t'es, ces connards ne te laisseront pas y arriver. Alors reste cool, calme-toi, réfrène l'envie de foutre le feu. Pour pouvoir transgresser les règles, il va falloir jouer leur jeu. Petit, tu as grandi avec l'idée qu'il fallait être gentil. Tu apprendras que le monde du travail ne contient pas d'amis. Paradoxe, comment veux-tu espérer pouvoir survivre si ce que t'exerces au quotidien ne te laisse plus le temps de vivre? Il n'y a plus de métier fait pour la passion qu'ils procurent. Te font saigner en te disant qu'ils guériront les blessures. T'expliqueront que la situation est la même pour tout le monde, tandis que les grands font des profits de millions d'euros par seconde. Vas-y, mets-toi à genoux et supplie pour ta dignité. Je crois qu'elle serait plus présente dans la mendicité, faisant partie d'une jeunesse désabusée, prise à la gorge. Cette humiliation générale nous déshumanise et nous forge à nous bouffer entre nous, dans un monde de compétition à ramasser les miettes de pain de ces foutus grands patrons. La constatation est amère, ne me dites pas que les chômeurs choisissent de crever à petit feu dans le plus grand des déshonneurs. Je voudrais me barrer pour le plaisir, mais d'autres se barrent pour la thune, dans un pays qui réfrène leurs désirs. Explosion taciture. L'école peut bien aller se faire foutre avec ses codes et ses diplômes. Que ceux qui rédigent les programmes viennent faire un tour dans ma zone. Ne me parlez pas de qualification dans un job fast-food, ou qu'apprendre mes leçons aurait fait de moi une star d'Hollywood. Dans une ambiance plus que tendue aux 3 millions d'oubliés, pour se faire entendre chez Pôle emploi, certains choisissent de s'immoler, et tout cela est réel. Ouvrez les yeux et comprenez qu'ils nous ont eu à un point tel qu'on ne peut plus s'échapper. La croissance monte, alors ça passe par tous les gens qu'ils oppriment. Statistiquement, la France est le pays le plus en déprime. J'aimerais parler de tous ces gens qui vivent au resto du cœur, ou même d'égalité des sexes, tandis qu'ils écartent nos sœurs. Dites-moi si c'est normal. 140 000 SDF, les fils d'Arabes stockés dans des cités de plus en plus ZF. Dites-moi si c'est normal qu'on ne puisse même plus avoir accès à un petit job alimentaire où il faut passer le balai. Surtout dites-moi si a changé depuis l'époque de nos parents, où tu pouvais te permettre d'espérer un travail à plein temps. Dites-moi pourquoi je considère que se reproduire est une erreur, même si je viens d'écrire 10% de mes raisons depuis tout à l'heure. Mesdames, messieurs, ne les accusez pas de fainéantise. Ils se battent juste pour quelque chose qui est devenu une hantise. Et surtout n'accusez personne de vivre au crochet de l'État. Je peux vous assurer que vous ne savez rien de l'État dans lequel ils nous ont mis. L'argent est devenu vital, refaire le monde avec des scies est devenu capital. Le capitalisme est une saloperie qui nous esclavagise, surtout nous apprend à le glorifier, une société soumise. Ils nous donnent tous les mêmes valises, le même moule où il faut rentrer sans même que tu le réalises. La même philosophie de pensée, le même écart social, le même malaise général dans ce système vertical. Remettons à l'horizontale que chaque personne puisse avoir le même pouvoir sur sa vie, qu'on arrête les débats où chacun doit être du même avis. Si les hommes naissent tous libres et égaux en droit, il faut savoir que cet état de fait ne demeure pas. Si les hommes naissent tous libres et égaux en droit, il faut savoir que cet état de fait ne demeure pas. Si les hommes naissent tous libres et égaux en droit, il faut savoir que cet état de fait ne demeure pas. Reste cool, calme-toi, je sais qu'ils te provoquent. Ils n'en ont rien à foutre de toi, alors ne baisse pas ton froc. Va falloir être ingénieux, s'il te prend l'envie de résister, construisons un autre monde d'aujourd'hui, car on peut y arriver. Alors reste cool, calme-toi, réfrène l'envie de foutre le feu. Pour pouvoir transgresser les règles, il faudra construire sans eux. Petit, tu as grandi avec l'idée qu'on n'y changerait rien. S'ils ont le chiffre, on a le nombre et le monde nous appartient. Reste cool, calme-toi, je sais qu'ils te provoquent. Ils n'en ont rien à foutre de toi, alors ne baisse pas ton froc. Va falloir être ingénieux, s'il te prend l'envie de résister, construisons un autre monde aujourd'hui, car on peut y arriver. Alors reste cool, calme-toi, réfrène l'envie de foutre le feu. Pour pouvoir transgresser les règles, il faudra construire sans eux. Petit, tu as grandi avec l'idée qu'on n'y changerait rien. S'ils ont le chiffre, on a le nombre et le monde nous appartient. Supplie pour ta dignité. 3 millions d'oubliés. Ne les accusez pas de fainéantisme. La même philosophie de pensée. S'ils ont le chiffre, on a le nombre. Et le monde nous appartient.